Eh ben salut les amis! Eh ben voilà, alors aujourd'hui jeudi, ben 31 août 2023, eh ben voilà, je suis en rando. Je suis en rando. Et voilà, donc pour l'instant, j'ai choisi de partir en rando à la journée. Mais comme vous voyez, je suis chargé. Donc, ce qui pourrait m'amener peut-être à passer la nuit en bivouac, parce que bah, des fois je décide au dernier moment, voilà, je décide de partir pour la journée, puis finalement je pars pour 2 jours, voilà, donc je vais voir ça au cours de ma randonnée, et puis je verrai bien, voilà, je déciderai au dernier moment. Et ben là il fait déjà bien chaud, et vous voyez, et donc les températures ont bien monté, voilà, et donc comme vous pouvez voir, eh ben oui, je suis bien chargé, et donc à midi, ben je vous referai une autre vidéo pour vous parler pour vous montrer, et puis moi pareil pour essayer mon matos, parce que je l'ai encore pas essayé, c'est mon poêle à bois à condition, où j'aurais décidé de faire ma pause de midi, à condition que le feu soit pas interdit, hein. Parce que si c'est interdit, même un poêle à bois, il ne sera pas question de l'allumer. Mais voilà, normalement je pense pas que ça soit interdit où je me dirige là, mais on verra, il faudra que je surveille ça, voilà. Mais en attendant, de toute façon, même si je ne peux pas faire de feu dans le poêle à bois, j'ai quand même la petite bouteille de gaz avec moi. Eh oui! Voilà, donc on verra. On verra. Et moi, clairement, j'espère que je vais pouvoir, parce que j'aimerais quand même essayer mon poêle à bois. Voilà, voilà. Donc, eh ben là, je balade sur allez, une étape. Donc là, je suis sur le GR422. Donc le GR422, il part de mes yeux pour aller jusqu'à Valence. Voilà, c'est une totalité de 220 km. Mais je ne vais pas faire... Je vais pas faire le GR du tout, hein. Je suis dessus parce que ça passe par là, mais voilà. Et je vais pas le faire en totalité. Non, non, non. Je le ferai, ça c'est sûr. Je vais. Donc pour le moment, je suis dessus, mais je pense qu'à un moment donné, je vais le quitter. Donc je vais voir. Voilà, voilà. Donc, eh ben franchement, il fait chaud déjà. Et oui. Donc il va falloir quand même. Pour le repas de midi, que je trouve du bois, que je ramasse du bois au sol, du petit bois, hein, pour pouvoir allumer mon poêle à bois. Et oui, voilà. Donc, alors dans le dans la poche ventrale que vous voyez là, et ben là j'ai ma batterie pour recharger le téléphone. J'ai les papiers, oui, les papiers c'est important. J'ai la lampe frontale, des barres de céréales. Enfin, j'ai de quoi faire et prendre
donc le bidon là au travers, hein, vous voyez, voilà, et puis bah, derrière tout le reste pour le bivouac et tout si je décide de faire un bivouac. Voilà, moi mes randonnées elles sont comme ça quand c'est pas des randonnées programmées, et bien elles sont comme ça. Soit je la fais à la journée et je décide au dernier moment de faire un bivouac et de partir sur plusieurs jours, ou soit ben, je fais qu'une journée et puis ça et ça sera bien. Donc là ouais, j'ai prévu de marcher 25 bornes, ce qui me donnera le temps de réfléchir à ce que je fais ce soir. Voilà, voilà. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez tous bien. Et puis ben, au plaisir de vous retrouver à midi pour partager le fonctionnement, le premier fonctionnement de mon poêle à bois. Et ouais, faudra que je mange quand même. Allez, bisous, bisous, bye bye. À plus.